La remise des diplômes aux lauréats de la 4e promotion de l'Académie marocaine des études diplomatiques a eu lieu aujourd'hui. Ces lauréats qui sont d'origine africaine ont bénéficié durant 2 trimestres d'une formation ayant pour finalité d'aider les participants à mûrir une réflexion intense et globale sur un domaine hautement sensible qui est celui de la diplomatie. Nous sommes fiers que notre académie aujourd'hui puisse donner des diplômes et puisse aussi accueillir en ses enceintes des étudiants subsahariens qui sont finalement des étudiants frères et qui sont aussi nos représentants, qui deviennent nos représentants dans les pays frères. Cela aussi dénote du professionnalisme de notre académie, puisque cette politique ne date pas d'aujourd'hui. Le Maroc accueille aussi plusieurs étudiants africains et subsahariens dans nos universités. Cette tradition marocaine aujourd'hui s'étend au volet diplomatique. Je suis très heureuse d'être ici au Maroc pour la formation diplomatique que j'ai reçue. C'était une formation très pertinente et ça m'a permis de renforcer mes capacités en diplomatie. Et j'ai vraiment apprécié le séjour marocain. Je trouve que les Marocains sont très chaleureux. Et j'espère que la coopération entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne va continuer. Cette initiative met en avant l'engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud, un engagement lequel a toujours été au cœur des préoccupations et des priorités stratégiques du Royaume.